Soyez les bienvenus à Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays Basque, à 55 km de Biarritz. Aujourd'hui, le soleil brille, mais bien souvent, la commune bénéficie d'une pluviométrie conséquente. L'année dernière, en période de fonte de neige, cette rivière a débordé, causant d'importantes inondations. Dans ce décor typiquement basque, au pied des Pyrénées, le chef étoilé Philippe Arambide perpétue la tradition familiale avec ses plats raffinés aux saveurs locales. C'est facile à faire et facile à louper aussi. Aujourd'hui, avec la complicité de son papa, il va nous cuisiner une recette printanière de son enfance, un achoa de veau avec du riz safrané au poivron piquillos. Un plat emblématique que préparaient ses ancêtres, la nouvelle génération en raffole. Bon appétit alors. Merci tonton. Dans la famille Arambide, voici Philippe, le fils, accompagné de son paternel, Firmin. Bonjour. Voilà. Bonjour. Ça va? Oui. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Vous aussi? Oui, très bien. Oui. Bon. Bon, on s'occupe des vaches? Voilà, un petit peu. Oui. Je vais en pas manger, je les ai paillés un peu. En ce matin printanier, Dominique, un agriculteur du coin, leur fait visiter fièrement son cheptel. Voilà. Ceux-là, ils sont les vimaches. Et ceux-là, ils vont être nourris combien de temps au lait? Jusqu'à 5-6 mois. 5-6 mois? Mais à partir de entre 2 et 3 mois, ils commencent à manger un peu. D'accord. Ils commencent à manger un peu de farine de maïs, farine d'orge. Philippe aime vérifier la provenance de la marchandise qu'il va cuisiner dans les prochains mois. C'est important, oui, de travailler avec les produits locaux, parce qu'en plus, on a des gens qui font de la qualité. Et puis après, c'est vrai que les gens qui viennent au Pays Basque, ils veulent manger local. Et ce qui se passe, vous voyez, les veaux, ils sont nés dimanche. Cela, on pourrait les suivre jusqu'à les acheter. Pour ce chef étoilé, la qualité de la viande dépend bien souvent des conditions d'élevage. Et chez Dominique, les blondes d'Aquitaine sont bien préservées des intempéries. Vous en occupez, quoi, vous les bichonnez. Il faut, elles aiment bien qu'on les caresse, vous voyez. Chez nous, novembre, quelquefois décembre, si le temps s'y prête, on les rentre. Les laisser nuit et jour dehors, par temps froid et sous la pluie, non, on les aime pas et nous non plus, on n'aime pas les voir souffrir. Et puis là, les beaux temps commencent, on a attendu que les prairies sèchent un peu pour ne pas qu'elles abîment les prairies, et là, elles vont commencer à sortir. Celle-là, je peux la prendre? Ouais. Elles sont grosses. Dans son restaurant, Philippe ne cuisine que des produits frais. La plupart proviennent du Pays Basque. Et entre deux services, notre chef trouve l'inspiration pour de nouvelles recettes en se promenant sur les terres de son enfance. Moi, c'est ma vie, c'est ici. Je suis parti pendant 10 ans. Mais quand je le pouvais, je revenais. Et voilà, moi ici, quand j'étais gamin, on était tout le temps dans cette rue. Et la Nive qui passe sous nos pieds. Elle peut être capricieuse, parce que c'est la neige qui fond qui arrive directement là et elle monte et ça peut arriver qu'elle déborde. Voilà, comme c'est arrivé l'année dernière. Je ne l'avais jamais vu déborder encore. Et cette année, il y a eu beaucoup de neige aussi. Donc on espère que la neige va fondre cette année un peu plus lentement que l'année dernière. Philippe a débuté la cuisine auprès de son papa, Firmin, à tout juste 9 ans. Il a toujours voulu reprendre le flambeau en hommage à ses ancêtres, car ce restaurant appartient à sa famille depuis 4 générations. Mon père, il s'est fait connaître beaucoup avec son fameux poivron piquillos farci à la morue. Et celui-là, je l'ai revisité, quoi. Je revisite comme ça des vieilles recettes aussi du Pays Basque. Le jarret de veau, par exemple, en pot-au-feu, ça pareil, c'est une recette que j'ai revisitée déjà. Aujourd'hui, pas de pot-au-feu, mais un achoa de veau, revisité, un plat régional de saison. C'est une recette très typique au Pays Basque et qui se mange au début de printemps avec les premiers piments qui arrivent. C'est une recette qui est relativement simple et qui est ressortie dans la cuisine basque il y a environ une dizaine d'années. Pour cette recette, Philippe, épaulé par son papa, commence par éplucher les oignons. Il les découpe, puis les verse dans une marmite. Voilà, je fais fondre mes oignons en 5-10 minutes. Après, c'est important aussi de prendre une fonte un petit peu épaisse. Là, la chaleur se diffuse mieux et tout doucement. Et le couvercle aussi aide beaucoup à la cuisson. Ensuite, je vais prendre mon épaule de veau. Alors, l'épaule de veau, on taille des lanières. Ils en sont où, les oignons? Ça va, ils sont en demi-cuisson. Ils sont bien? Un petit peu encore. Moi, j'ai presque fini la viande. Comme ça, on va pouvoir mettre la viande. Il faut laisser mijoter la viande en environ 45 minutes, 1 heure. C'est pas un plat qu'on mange en famille. C'est vrai que c'est peut-être une recette dans le futur qui se prête bien à être revisitée et à les mettre à la carte. J'ai tourné autrefois avec Maïté.
Maintenant. Ça va être dans les Landes. Attends, je fais la recette. Je peux pas m'arrêter, moi. Firmin, il bout en train. Mais pourtant, la recette n'est pas encore terminée. Ajoutez maintenant l'ail, les piments verts que vous pouvez remplacer en hiver par des poivrons de même couleur. Et à mi-cuisson, rajoutez le piment d'Espelette. On peut remettre parce que c'est quand même un piment qui est relativement doux. Hein. Enfin, Philippe fait revenir ses poivrons piquillos avec un soupçon de sel, puis un peu de sucre. C'est pour enlever un peu le côté un peu fort du poivron piquillos, ça l'adoucit légèrement. Au bout d'une heure et demie de préparation, voici le résultat. Un achoa de veau accompagné d'un riz au safran. Très très bon. Voilà, vous avez la cinquième génération autour de la table. Qui c'est qui va être cuisinier? Oh, ah bon, ben, je ne savais pas. Alors si vous aussi vous rêvez de préparer un achoa de veau à la façon de Philippe, il vous faut pour 6 personnes 1 kg d'épaule de veau désossée, 6 piments verts doux, 4 poivrons piquillos, 2 oignons, 1 gousse d'ail, du piment d'Espelette en poudre, du sel et du safran pour colorer le riz.